Yes, sir. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça va, les amis? J'espère que vous êtes en kiff total, tout comme moi. Retard drone qui m'arrange. Ah, vous voyez? Non mais, est-ce que c'est pas pour ça quelque part que je suis aussi souvent retard drone? C'est parce que justement, je peux être là pour les gens qui sont en retard. Parce que moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous soyez tous là pour moi. Et plus j'attends, plus les gens se connectent. Et plus les gens se connectent, plus les gens sont là. Et plus les gens sont là, plus je fais des heureux. Et plus je fais des heureux, plus je suis heureux. Comment ça va, les gars? Bonjour, bonjour. Dans 30 minutes, mon chou. Oh non, 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 pas de mort aujourd'hui. Premier live de Pokémon Saphir Alpha Full Random sans mort aujourd'hui. C'est faux. On va essayer. La probabilité que ça arrive est quand même assez faible. Salut à tous, c'est Philong, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon Saphir Alpha Full Random. Alors, déjà, première chose, j'ai enfin fini ma transformation de HD. C'est-à-dire que j'avais eu un entre-deux où j'avais changé déjà de caméra et tout, mais j'avais une caméra qui était pas très adaptée, donc il y avait des micro-lags, il y avait des trucs. Maintenant, ça y est, c'est officiel, j'ai reçu ma caméra. Regardez cette qualité. Regardez cette qualité. C'est même plus de la HD, là, c'est... What? Regardez. C'est moi, David Lof... Non, pardon, excusez-moi. Mais en tout cas, voilà, ça fait trop plaisir d'avoir enfin une qualité de fou. Et du coup, hop là, le micro, évidemment, hein, il faut que je pense à mettre le micro. C'est normal qu'il soit dans le cadre, parce que comme ça, le son est meilleur. Et là, normalement, vous avez... On aura difficilement... Merci pour tous ceux qui me font penser au micro. On aura difficilement une meilleure qualité, en tout cas dans mon setup actuel. Et ça, ça fait plaisir. Et j'espère que ça vous fera kiffer. Voilà. Du coup, aujourd'hui, nous allons continuer Pokémon Saphir Alpha. Alors. Oui, ok. Donc, Pokémon Saphir Alpha. Nous avons une nouvelle équipe, encore une fois, parce qu'on a perdu des Pokémon. Mais d'abord, revoyons les anciens, évidemment. Nous avons en premier Pokémon, s'il vous plaît, messieurs, dames, accueillez Monsieur le Maire. On va voir si vous avez retenu tout ce qu'il faut faire pour les Pokémon. Alors d'abord, Monsieur le Maire. Monsieur le Maire, évidemment, hein, qui est là. Qui est niveau 70, hein, Monsieur le Maire. C'est mon starter. Pour l'instant, il a survécu. Si on suit le théorème de Bitantron, il devrait pas tarder à mourir. Mais on espère qu'il survive un petit peu plus à chaque fois. On espère vraiment, hein, Monsieur le Maire. En tout cas, voilà. Et d'ailleurs, je tiens à dire que on m'a envoyé des messages comme quoi... Il y a le trafic de la page Wikipédia de Saint-Cern Insurance qui a un pic de fréquentation chaque lundi. Parce que les gens veulent savoir si ça existe. Et ça, c'est incroyable. Un pic de fréquentation sur la page de Saint-Cern Insurance, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Les Saint-Cernin-Sois sur Ansois qu'on embrasse, évidemment. Ensuite, nous avons Léopold Deslois, évidemment, qu'on embrasse. Du coup, hein, qui est assez fort. Et on a changé son talent pour filtre, donc c'est plutôt pas mal. Ça va un peu réduire sa faiblesse très gênante au type feu. Ensuite, nous avons Loser. Attends, non, du coup, c'est dans ce sens-là, hein, ouais. Loser, Loser. Loser, évidemment, qui est là. Du coup, avec 100 limites. Maintenant, c'est de moins en moins un loser, hein, quand même, Loser. À part Michel Trou, aucun Poké n'a tenu de live entier. Et ben voilà, et voilà le spam L, évidemment. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Vous connaissez les bails. Ensuite, nous avons Poil. Poil, évidemment. Poil Smile. Smile, smiley face. Du coup, il a eu composé, mais pour l'instant, ça sert pas à grand chose, à part pour Vampigraine. Mais sinon, il a Tunnel, Force et Lame Feuille. En vrai, c'est pas si mal pour ce Pokémon, je pense. Et enfin, le cousin Marco, c'est le cousin de Michel, hein, c'est l'homme à tout faire. Il a Protéin. On a un cousin Marco Protéin, voilà, donc on est content. Pas venu à notre dernière réunion. Où est
passer ton crâne. Écoutez, j'ai récupéré mes cheveux maintenant. Respectez-moi, merci. Enfin voilà. Je suis gay. Bravo. Bah félicitations et merci beaucoup pour le gros don. Et sans plus tarder, les mecs, nous passons à la partie natation hein, de Pokémon Saphir Alpha. On va beaucoup surfer aujourd'hui. On va beaucoup surfer, mais ça va être assez cool, je pense. Du coup, on va utiliser un max repousse parce que pour l'instant, on en a besoin. Hop là, voilà, parfait. Et on va essayer un peu, d'entraîner le cousin Marco pour voir un peu. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? La super canne, tu trouves pas que c'est vraiment super? Oui. On est sur la même... Ah, une super canne, merci. J'ai hâte de pêcher des trucs dans super canne. Hey, mais on s'est déjà croisé. Je vais immortaliser ce combat avec ma caméra. Ah oui, c'est un combat double. Ok, merde. Ok, Régistil et Monorpal, ça va. Ok, cousin Marco et poil. C'est le moment. Ok, alors attends. Comment on touche Monorpal? On le touche pas. Ok. On va faire point boost. Mais non, mais c'est nul. Bon, cousin Marco, vas-y, tu peux le faire. Et on va faire force sur Régistil. On va tout shot, hein. Voilà, force. Ok, on l'a pas one shot. Coup critique. Est-ce que le point de boost de Protéin, cousin Marco? Oh là là, cousin Marco, Protéin, type combat du coup. Faudra faire attention à ça quand même. Hein. Ah oui, l'œuf. L'œuf, c'était quoi déjà? Ah non, il m'a donné insomnia. Bâtard. Ah, ils ont une mono. Ok. L'œuf, c'est devenu un Galam. Voilà, pour ceux qui voulaient savoir. Oh là là, incroyable. Oh la caméra. Léopold Deloy veut apprendre nuée de poudre. Non merci, s'il te plaît. Au revoir. Oh oh, 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 oh le Vortex Magma qui est pas passé. Ok, attends, éclat glace sur Alakazam. Oh, ça va être incroyable. Vous allez voir une situation de fou là. Regardez, vous êtes prêts? Éclat glace. Ah non, j'ai plus Protéin. Non, j'ai plus Protéin. Attends, non. O, A, I, A, ou. Du coup, je suis bloqué sur le type. Ok, tout va bien. C'est bon. Je n'avais pas pensé, mais tout va bien. La situation est sous contrôle, rassurez-vous. Ok. Ok, tout va bien. Situation contrôlée. Il m'a enlevé mon... Du coup, j'étais bloqué sur le type combat contre un Alakazam. Ah, vous souvenez-vous de cette réplique? Je me rappelais pas. Ce qui est bien, c'est que je peux pas me décevoir avec le temps parce que je change plus trop, quoi. On n'a pas oublié. Et accepteriez-vous d'être interviewé encore une fois, bien sûr. Alors, on avait Bit Cul Poil. Maintenant, je pense qu'on va mettre couille jolie. Ah ouais. Oh ouais. Couille jolie, c'est pas mal. Hein. Je ne l'aurais pas mieux dit. Ah oh, mais c'est trop bien. Hein. Franchement, j'aimerais. Il faut que je regarde la télé pour me faire interviewer. C'est pas possible. Parce que là, franchement, on est sur du level quand même de fun. Hein. Cet homme a 35 ans. J'ai pas 35 ans. J'ai pas 35 ans. Pas encore. Je suis pêcheur mais aussi dresseur. Ok, vas-y, go. Ok, gros tichon. Normalement, j'ai peur de gros tichon, mais là, si je fais tombe roche, je passe protéin roche, et je one-shot gros tichon. Du coup, cousin Marco au niveau 62. Et là, il met Mamochon. Donc là, normalement, j'ai peur de Mamochon. Mais là, je fais point boost. Il m'a fait danse folle. Cousin Marco. Cousin Marco qui s'en fout, qui prend point boost. Oh les dégâts. Mais attends, mais il est insane, cousin Marco. Bon, par contre, attention. Oh là là, le cousin. Le cousin Marco. Alors, le lore de cousin Marco, les mecs, c'est qu'en gros, c'est l'homme à tout faire de Michel Trou. C'est logique que l'enfant de Michel Trou soit un galam avec... Attends, pourquoi il y a un diamant niveau 1? Pourquoi il y a un diamant niveau 1? Pourquoi il y a un diamant niveau 1?
What? J'ai cru qu'il allait avoir une arnaque, mais ça allait. Je suis en mode, je sais pas, Je pensais que t'avais changé. Oh, il y a Pierre Richard. Eh non, je change pas, moi. Enfin, si, mais un peu, petit à petit. Salut, ça faisait bien longtemps, on s'est rencontrés dans la grotte Granit, tu te souviens? Tu t'appelles Fifou. Content de voir que ton voyage semble bien se dérouler. À propos, le monde regorge de Pokémon de type varié. Certains aiment élever des Pokémon de type différent, alors que d'autres ont une liste de favoris. Et toi, en tant que dresseur, que penses-tu? Je ne devrais pas m'en occuper, mais tu m'intrigues. Hello. Je m'en vais. Ah, merci beaucoup. Oh, Latios! Mais c'est maintenant! Oh, sa mère! Oh non. Mais attends, mais j'ai pas eu de Pokémon de zone ici encore. On voit chaque poil de ta toison pectorale, MDR. T'as vu? Regarde. Latios! Tios! Tu nous demandes de monter sur ton dos? Fifou, viens avec moi. On dirait que Latios souhaite qu'on lui vienne en aide. En aide. En route! Mais c'est maintenant? Oh! Wouah! Oh, c'est vrai. La première fois qu'on avait vu ça, on était tellement saucé. Ok, est-ce que vous pensez que ça va être un Latios, les mecs? Quelle est la probabilité pour que ce soit un Latios? Nous y voilà. Merci, Latios. Quel est ce sentiment qui m'envahit? Ce n'est ni de la peur ni de l'angoisse, mais c'est déstabilisant. C'est très étrange, comme si je rêvais. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue. Il était une fois deux Pokémon protégeant les secrets d'une évolution. La méga évolution. Vivaient sur cette île. Je suppose que cela fait d'elle une cible rêvée pour des individus peu recommandables. Quoi qu'il en soit, reprenons notre route. Merci beaucoup, Pierre. Ceux dont le souvenir s'estompe cherchent à craver en lier peur. Ah, j'ai toujours été assez fort pour ce genre de puzzle. Ah merde, c'était pas ça. Ah, c'est Latias. Ok, vous pensez que ça va être Latias? On est d'accord qu'il faut que je le batte? Latias, quelle majesté. Si je devais le comparer à une pierre, ce serait comme une pierre soleil. Merci, merci beaucoup, Pierre. Plus brillant, une pierre aube. Peut-être aussi beau qu'un Pokémon de type acier. Pardon, excusez-moi. Oh. Hein, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? La team a quoi? Latias savait que ces scélérats viendraient, c'est pour ça qu'il nous a appelés. Qu'est-ce que vous fichez là, vous? Oh non, on va avoir 12 Pokémon affrontés, chef! Le Nabola, c'est lui qui nous a rossé. Cette saleté n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues. Le charmant monsieur qui l'accompagne ne m'est pas tout à fait inconnu. Oui, je peux bien voir un si bel homme. C'est une star des concours Pokémon. Ah, peu importe les détails, on s'en fiche. Je me nomme Mathieu. Le Mathieu, le prénom biblique. C'est moi, hein. C'est moi, c'est Mathieu, c'est Saint Mathieu. Hein. Le bras droit du chef de la team Aqua. Je suis un apôtre. Ok, attrapons la méga gemme et Latias. On a besoin du pouvoir absolu des méga évolutions. Vous allez vous pousser bien gentiment. Oui, oui, on va vous obéir. J'aime bien ton humour. Mais moi, je veux pas me battre. J'ai ma team parfaite. Je veux pas mourir. Tu vas te faire casser les dents. Non, par contre, le team Aqua Mathieu, c'est... il est buff, hein. Vous pensez que... vous pensez que les deux, là... vous pensez que... Oh non, il a un... Ok, ça va, ça va, ça va. Je suis très, très haut niveau. On fait éclat glace, on va one-shot le ninja, c'est sûr. Allez, cousin Marco, let's go! Oh là là, let's go. Numéro 1. Alors, il y en a 12 à tuer. Hein. Il y en a 6 de chaque côté. Donc, je me focus à gauche. Oh! Mustéflotte! Ah mais ça fait zéro par contre. Oh, c'est pas sur Rift. Attention, ça fait mal. Ça va, ça va, ça va, ça va. Ouh, ok. Sidérella. Attends, il m'a fait super mal. Attends. Faut que je switch. Il va pas avoir d'attaque feu, non? C'est quoi mon game plan, là?
Léopold Deslois. Vas-y, Léopold Deslois, ça me semble être un bon play. Tu peux arrêter de faire une attaque qui utilise pas... Oh là là, mais il fait zéro! Oh, je sens que ça va être comme l'autre fois, là. Spatio Rift. Mais je me fais focus direct! Ok, non mais ça va, je prends zéro. Oh, oh, je te flotte. Ok, 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 ok. Vampirisme, pas d'attaque feu, s'il te plaît. Ok, mortel. Oh, let's go. Ça fait pas très mal, mais il récupère quelques PV, donc peut-être qu'il pourra tanker. Non, il peut pas tanker, je crois. QRM fait Spatio Rift. Mustéphot ! Oh, c'est aucune chance qu'il tanque. Il est mort. Eh, franchement, mes potes, il faudrait pas qu'il fasse le Nuzlocke, hein. Ok, ça me fait que ça s'en sort. Ok. On focus à gauche, hein, on l'a dit. Hein. Ce qui veut dire qu'on doit se taper des QRM, mais tout va bien. Ok. Sidérale est mort. Ouh, il a Zygarde. Ok, non mais oui, facile, facile, facile. Ok. J'ai réveil forcé pour tuer non mais oui. C'est mon attaque qui fait le plus mal, let's go. Non, c'est non mais oui, point de feu. Mais c'est bon, je tente. Car j'ai filtre. Filtre me sauve. Filtre est en train de me sauver. Oh, c'était un Zekrom, c'est pour ça qu'il m'a fait aussi mal. C'était pas du tout un non mais oui. Attention le laser glace. Oh, au revoir Zygarde. Oh là là, mais putain, mais bon, pourquoi mon allié il est toujours nul? Du coup j'ai fait réveil forcé. J'aurais pas dû faire réveil forcé. Lima speed, attends, on se concentre. Ok. C'est moi ou là je suis littéralement contre un Zygarde. Je suis contre un Zygarde plus un. Ok, tout va bien les mecs, tout va très bien. Ok, loser. Loser, on t'invoque. Loser, s'il te plaît. Peut-être que confusion fera assez mal. Ok, Bourdon, attends, ça va faire mal, je pense. Ok, il a tué le Zekrom. Il a Bourdon stabé. Oh là là, mais il spam les Spatio Rift. Chèche. Oh. Mais non, mais il s'agit, mais je dois switcher dans tout. Je dois switcher à chaque tour. Ok, 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 on reste calme. C'est quoi mon game plan contre Exagid? Ah mais il est pas en forme bouclier, il est en forme offensive, donc il va me casser la gueule en gros. Poil. Poil à l'attaque. Poil à l'attaque. Oh putain, le 1 PV. Ok. Ok, poil. Ok, Bourdon, Bourdon, Bourdon. Ça va tuer le QRM. Oh, par contre, le lit. Mais fais pas ça! Mais gros dé... Il a... Mais c'est quoi ce jeu? Mais c'est scripté. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, ok, ok. Ok, feuillou temps. Moi, je fais tunnel sur Exagide. Du coup, je... Ok, 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 très très bien joué, très très bien joué. Incroyable gameplay de la part de la team Fifou Pierre Richard, Léopold Deslois. Ok. On a enfin tué le QRM, by the way. C'est... On aura mis le temps, mais il est mort. Adieu. Oh, feuilloutant. Non, feuilloutant. Ok, il lui reste des Pokémon, il lui reste la ligature. Ok, il y a Xatu. Ok, poil, utilise tunnel sur Exagide. Ok, Exagide est mort parce qu'il était en forme machin. Ok. Et la lévitation. Oh non, ça aurait été horrible. Oh, ligature, pince-masse, voilà. Oh, Xatu Flamme-Croix. Courage, smiley face. Oh, oh, poil à tanker.
victime est presque morte. Monsieur le maire, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maintenant il faut venir. S'il vous plaît, monsieur le maire, on a besoin de vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Mes administrés, respectez-les, ok? Ça va pas se passer comme ça! Oh, oh, je n'ai même pas mal, j'ai une double résistance à la glace! Ok, 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 on reste calme! Surf! Surf, c'est le mieux à faire. Allez, surf! Allez! Monsieur le maire! Ah, il one-shot pas du coup, dommage. On flying press. Ah! C'est bon, c'est bon, c'est bon. Monsieur le maire s'en bat les couilles! Monsieur le maire! Ça, c'est une assurance! Ok, voilà enfin le nom, mais oui. Vas-y, stalactite sur, sur non mais oui, let's go. Oh, il retire le kyog. Qu'est-ce qu'il fait? Il me touche pas. Oh, voilà Valtou. Oh, on se souvient de notre Valtou. Ok, let's go. La première méga évolution, stalactite. Qui devrait faire 0 dé... monsieur le maire, s'il te plaît. Vas-y, touche 5 fois. Allez. Oh, ouais. Il va flinch. On va le flinch. On va le flinch. Vous allez voir en bal. Oh non, c'est. C'est Avaltou, lavabo. Mais non, on lui booste son. Oh. Oh. Merde. Faut qu'on tue le Avaltou avec. Avec notre attaque. Lame pangéenne, maintenant. Oh, c'est poudre fureur. Mais c'est quoi ce bordel? Alligature, il le touche pas en fait. Oh là là, les dégâts sont nuls! Courage, courage! Alligature a survécu! Ok. Lame pangéenne. Alligature qui me sauve avec ses poudres fureurs là en fait. Ok, allez, c'est bon, ça n'a pas raté cette fois. Oh, Avaltou, t'as pas kiffé du tout là. Oh, avec des tricanons qui part du coup sur Alligature et qui me sauve. Qui me sauve de ses dégâts. Par contre, oh, j'ai mal. Ok. Je refais l'impangéenne. C'est maintenant. Mais pourquoi moi j'ai pas de méga? Ils sont là à se battre avec leur méga et moi je suis là avec mon K-Morse. Ok. Non mais c'est monsieur le maire, c'est pas n'importe quel K-Morse. Oh non. Ok, c'est bon, c'est bon. On n'a pas raté sur l'autre. Au moins le Avaltou est mort. Du coup je devrais pouvoir tanker le mégaphone. Il toi. Non mais c'est monsieur le maire. C'est monsieur le maire, il a pas besoin. Voilà. C'est ça qu'on dit là. Michel Trou, niveau 72. Il va prendre quoi? Air glaciaire. Oh. Oh, c'est tellement puissant. Oui, je veux air glaciaire à la place de stalactite. Oui. Oh, on a enfin une super attaque glace spéciale. Ok, il reste quoi? Ah oui, il reste Kyog, c'est vrai. Ok, il reste que Kyog, hein. Je crois qu'il me touche pas, hein. Le Kyogre. Ok. Poil! Je te réinvoque! Oh oh, le Tyrannosif est mort. Ah non. Allez, la mâchouille! Ok. Oh, les dégâts! Let's go, let's go, let's go, let's go. Ok, Lamefeuille, ça tue. Non, non, la mort. Ah, il est plus rapide que nous deux, hein. Oh, putain, le coup critique. Il a boosté colérique avec...
Le tyrannosif, il a colérique, il a pris le coup critique, il a fait « Ok, ça va pas se passer comme ça maintenant !» Ok, on d'origine... Ah non, mais c'est cousin Marco. Oh si, imaginez Michel Trou, onde originelle. Oh là là. Mais c'est pas Michel Trou, dommage. On veut garder les anciennes capacités. Ok, il reste au massacre. On va faire tunnel, on va se protéger, on va les laisser s'affronter ensemble. On va les laisser, on va se cacher dans le sol. Voilà, on se cache dans le sol. Voilà, tue-le, tue-le. Voilà. Oh, il y a le... Oh, lui, va... le archéodon va prendre le tunnel direct. Oh, c'était le dernier, c'était un archéodon. Into. La force octonienne du tyrannosif va plus 6. Enfin, moi, j'esquive comme ça, je suis dans l'attaque, mais je suis pas dans l'attaque. Hein. Oh, putain. Est-ce qu'on a déjoué la 21h30? Poil va prendre une herbe. Non, merci. Non, c'est pas fini. C'est pas fini, c'est pas fini. Oh, loser va prendre soin. C'est mieux qu'amnésie. Non. Non. En vrai, Yes! Et alors, la mort, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Attendez. Provoque drone, tu vas faire quoi la mort? Tu vas faire quoi? 21h30, il est où là? Elle est où la mort? Elle est où la mort? Olé, 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 oh! Oh! Mais ouais, la mort! T'es dans la chatte à ta mère! Pardon, excusez-moi, mais on a le droit de mal parler de la mort c'est terrible quand même, ça nous fait chier quoi. Ah voilà, je veux dire, voilà. En plus, comme ça, vous pouvez voir mon teint incroyable. On a vaincu la mort! Il y avait 12 Pokémon de boss et on les a eu sans perdre de Pokémon et sans utiliser une seule potion! Quelle force! Ça manque pas de piquant tout ça! Des dresseurs qui sortent les griffes et qui ne l'en laissent pas compter, j'adore! Notre leader adoré Arthur est comme ça, un vrai chaffreux sauvage, c'est pour ça qu'on l'aime. Je vais vous réserver une toute petite place dans mon cœur. La prochaine fois que je vous vois, je vous écrase. Ah ouais, ok, super. Ah! Beau travail, mon brave fifou. N'oubliez pas de redonner des forces à tes Pokémon. Let's go! Votre équipe a été soignée. Karma. Non! Arrêtez! J'ai le droit d'être heureux parfois. C'est grâce à toi que nous avons pu sauver ce Pokémon et les méga gemmes qu'il tient. Oh, la Thias est si heureuse. J'ai l'impression que la Thias t'a reconnu comme un dresseur. Du coup, la Thias, c'est quoi? On est d'accord, il a pas de sexe, c'est pas une meuf. Il semble te faire allégeance. Tends-lui la main. Si c'est un Latias, je me coupe la bite. De type passier. Oh, c'est un Dratak! C'est pas mal en vrai. Merci la mort. Oh, quoi? Non, non, quoi? Pas merci du tout. Ok, on va l'appeler. D'où est venu le nom de Michel Trou? Bah, c'est le nom du maire de Saint-Cernin-Assurance. De type passier. On va l'appeler. Te la joue pas trop. Trululu. Parce que comme ça, on pourra envoyer un Dratak au combat et on dira « Vas-y, Trululu! Pète-lui le cul !» Merci beaucoup pour vos dons. Oui, Trululu! Vas-y, Trululu! Trululu, tiens, une Latiasite. Je ne suis pas la maître de ON pour rien, fifou. Eh oui, c'est vrai. Merci, Pierre, pour ton aide. Tu mérites quelque chose. Let's go! Oh là! Oh le méga bracelet! Let's go! Oh là là! À quand le retour de la méga évolution? Oui, on peut en parler parce que c'était assez impressionnant. Un inforce se crée en se brisant. On sait ce que c'est la méga évolution. Merci beaucoup. Allez, la Thios nous attend dehors. Je vais pouvoir voler dans les airs et dans les cieux. Je vais pouvoir aller partout! Je vais pouvoir aller partout! I believe I can fly. Thios! Je pense qu'il te demande de prendre soin de la Thias. Thios! Mon père a fait pareil avec ma mère et mon beau-père. Ah mais non, mais c'est pas maintenant en plus la zone surf. Trululu, niveau
niveau 50. Oh, il est shiny. Il a lame d'air, anti-brume, air d'ébre et bec gris. Ok, il a récolte aussi. Attends, mais on peut aller voir le talent de Méga Trululu, du coup, là. Pierre est bien plus efficace que Flora. Ah oui, bah oui, y a pas photo. Hein. Attendez, je veux voir la... Ah oui, mais ça va être un Pokémon de zone, ici, aussi. Attendez, c'est Pokémon de zone, ici. Attendez, on va capturer un Poké. Après, ce qui est bien, c'est comment Trululu va pouvoir le... Ok, Pokémon de zone. Attention! Un Archéodon de zone! Ok. Niveau 39. Trululu Shiny, les mecs. C'est bon, j'ai des Quick Ball ou pas? J'ai des Quick Ball. Ah, c'est pas une zone! Hein? Comment ça, c'est pas une zone? Ok, ok, bah c'est pas une zone alors. Bon, alors il faut qu'on méga évolue! Faut qu'on méga évolue! Ok! Trululu Shiny! Attaque lame d'air! Trululu Shiny! Méga Trululu! Alors attendez, c'est quoi son talent C'est quoi son talent à Méga Trululu? Solid Rock! Oh là là! Oh, c'est golden! Incroyable! On est toujours sur la route 118. Oui, pardon, pardon. Mais il va pas y avoir une zone. Oh non! Prenez votre envol, mes Pokémon. Mais non, mais attends, il y a encore Trululu en premier, je crois. Mais j'ai pas peur. Trululu n'a pas peur! Trululu! Attaque Big Vrille! Méga Trululu! Ça va pas se passer comme ça, hein. Allez, hop là! Je vais t'envoyer Rhinastop, Rockboulet et Karma comme avec les fonds. Ah non, non, non! Oh là là! Regardez, c'est fait exprès pour qu'il y ait que des... Oh là là! Oh là là! Trululu! Oh là là! Encore une faiblesse au type! Hop là! Oh! Mais j'en ai rien à foutre! Je prends zéro, mec! Trululu! Oh là là! Let's go, Trululu! Comment on monte déjà? C'est quoi le lore de Trululu? Y a pas de lore de Trululu, c'est juste un Dratak qui s'appelle Trululu. Merci beaucoup. Attends, ça c'est une rebelle. Attends, on va peut-être pas faire le fou avec Trululu à l'infini. Pilule talent pour Trululu. Bah il est trop bien là son talent, là j'ai pas envie de changer. Ok. Non, vous savez quoi? J'ai envie d'utiliser un peu Trululu. Mais il faut qu'on lui apprenne quelques attaques, attends. Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'intéressant à Trululu? Surchauffe, ah il peut pas la prendre. D'où il peut pas la prendre? Il peut apprendre calcination. Ah ça a zéro de puissance. Piétisol, c'est bien, c'est bien. On va lui apprendre Piétisol. Ah c'est le talent de base qu'on peut changer, pas la méga. Ah oui c'est vrai. Ok, merci beaucoup. Petite hyper potion. Ok. Vous êtes prêts pour vous battre avec Trululu, c'est parti. Ma passion c'est la poké récré, ça te pose un problème? Bah c'est bon, terreur Johanna. Ok. Oh j'ai appris Piétisol exprès. C'est parti, méga Trululu. Méga Trululu attaque Piétisol. Oh là là, méga Trululu. Ok, let's go. Oh, merde. Oh, j'en ai rien à foutre. Mais je suis Trululu. Tu sais à qui tu parles, mon grand. Hop là. Le reste de la team instantanément oublié. Tu fais quoi là? Oh bah voilà, tu donnes un level à Méga Trululu.
Oh là là, là on était tous en mode oh là là, Yarina Stock et tout et tout. Incroyable, trululu. Ah voilà, c'est une zone ici, route 123. Papadam, papapapapadam. Papadam. Oh, et one shot Arena Stock, c'était. C'était stylé. Méga Trululu, il est là! Il est vraiment trop fort, Trululu, il a un. Oh! Ah! Attends, c'est quoi ces dégâts? Attends, pourquoi j'ai fait 0 dégâts? Pourquoi mon petit seul fait R? Qu'est-ce que tu fais là? Ok, ok. On va peut-être switcher quand même. Ou on se. Non, tu sais quoi, hein? Trululu, c'est ton moment. C'est la pause let's play. C'est Trululu qui chasse. Ah, la double faiblesse! Mais alors qu'est-ce qu'on raconte ici? Mais on s'en fout! Let's go! Méga! Trululu! Oh mon dieu! Le monstre! Bon, attends, peut-être pour Abum. Non, je me bats. Je me bats, j'en ai rien à foutre! On se bat avec Trululu! Il a fait photocopie. Et il a utilisé Piétisol! Ah, allez! Oh, par contre, il va utiliser Begri maintenant. Et il va faire 0 du coup. Hop là! Boom final, Broham. Ouh, j'ai bien fait de le sauver. Pourquoi il tank aussi bien? Parce que Mega Dratak est un Pokémon avec un bulk de l'enfer. Il est très très difficile à tuer. Il est vraiment très fort, Mega Dratak. Oh, il y a quoi ici? C'est quoi ça? Voir des baies germées, ça me rend heureux. Attends, mais c'est... Oh! 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 Oh, Fidron en excès de confiance. Mais je suis pas en excès de confiance, ma team est invincible! C'est ça le problème! Trululu... Vous avez vu combien on a pris sur Avalanche? Trululu, chevalier tueur du démon. Trululu... Trululu... Bon, il y a trop de baies, j'ai un peu la flemme, je vous avoue. Oh, il y a trop de baies, j'ai la flemme. La flemme. Allez, au revoir. La la la, Trululu. Trululululululu. Trululululululululu. Trululu. Elle m'a demandé un truc, quelque chose match. Après la mort du bug des 5 minutes, la mort de 21h30. Yes. La mort de la mort PTR. Paris match. Elle m'a demandé un truc match, alors je vais mettre Paris match. Hein. C'est une vieille, donc peut-être qu'elle veut des trucs de vieux. Hein. Paris match, un truc de vieux. C'est intéressant comme choix, la formulation est curieuse. Bah ouais, c'est ça, elle voulait juste Paris match. Ah bah super, merci, merci gars. Oh, elle veut pas se battre. Le type fée, il est mignon. Oh, éclat magique. Trop bien, merci. Ne viens pas pleurnicher si tes Pokémon perdent le combat. Perdent le combat avec Mega Trululu. Ok, attends, on va quand même... Oh. Oh. Alors, on one-shot le Farfuret. On one-shot le Farfuret. Mega Trululu. C'était pour féerique, Farfuret, pour gelé, Farfuret, escalade, il m'a mis... Mais pourquoi je... Ha ha ha!
de petit passé. Ah putain. Trop de joie ce soir, je vais y remédier. Ah bah oui, bah bravo. Hop. Attends, je crois qu'il y a un problème de saut maintenant. Oh putain de merde. Habitant trop, il est arrivé, il a dit non, non, toi mon gaillard. Oh putain, excellent. Et il y a trop colère. Oh mon dieu. C'est mon son qui bug ou c'est le... Non, attends, il y a le son qui bug, on est d'accord, non? Ou c'est mon casque qui bug ou c'est le... Non, c'est... On est d'accord, le son bug, hein. Le son bug. Attendez, on va... Ouais, le son bug. Attendez, je relance. Je relance, excusez-moi. Oh putain, quel enfer! Subis ma colère pour avoir trop pris la confiance. Oh, mais c'était trop drôle, en fait! C'était trop drôle! Ouais, le son a bugué, ouais. C'est bon, on relance. Je t'avais prévenu, Tilde. Oh mon dieu, c'était incroyable! C'était incroyable! La colère divine! Je prends vos mères en DP avec mes dents. Ah merde, attends, le. Ah, par contre, ça c'est moins drôle, ça, s'ils sont bug. De petit passier. Vitron qui t'a calmé direct. Merde! Attends, j'ai un problème de son. Ça c'est moins drôle. Tu as subi la colère de Vitron. Qu'est-ce qui se passe? Aidez-moi! Oula! Ah ouais, le son est dégueulasse là d'un coup là. Merde. Problème de port. Qu'est-ce que j'ai fait? Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand je me suis levé? Ouais, le son est horrible là. Qu'est-ce qui se passe? Blasé, aide-moi vite! Les dieux te punissent. Attends. Qu'est-ce que je peux faire? Redémarrer? C'est bizarre, ouais. C'est Eliatron, il a fait bugger le son. Save et relance. Bah, c'est ce que j'ai fait déjà. T'es en accéléré. Attends. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, le son bug, là. Oh non! Un câble a bougé? Mec blasé, aide-nous! Merde, attends. Non, le son est dégueulasse. Rien n'a changé sur ta config. Bah ouais, ça s'est mis à bugger d'un coup, là. C'est probablement le micro. Quoi? Mais non. Ouais, ça crépite de ouf. Évite le 60 FPS au lancement. Mais j'ai pas le... Attends, je vais désactiver le code du 60 FPS. J'ai une idée. Vous inquiétez pas. Ah ouais, c'est dégueulasse, hein. Oh, c'est dégueulasse, le son. Attendez. Oh, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Baisse le son. Non, attendez. C'est bon, deux secondes. Je relance encore une fois. Relance ton ordi. Bah, je peux pas trop relancer mon ordi, t'es marrant, toi. Tu avais raison, ta poule et les Twisted Spoon, c'est abusé en monotype, merci Fifou. Attends. Non, ça bug tout le temps. C'est horrible. Ah, putain, non, c'est pas ça, il faut que je... Faut que je... Non! Aïe, aïe, aïe. Ah, putain. Tu as été trop gourmand, Fifou. Il ne faut jamais se moquer de moi, plus petit. Exactement. Et là, c'est carrément mon live qui est affecté, là. On va s'y habituer. Ah non, c'est dégueulasse. Relance ton live. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, attends, j'ai une idée de génie. J'ai une idée de génie, les mecs. Je vais faire la mise à jour de Citra. Comme ça, ça va relancer. Oh oui, ça va être incroyable, vous allez voir. Ok. Oh, le génie. J'avais gardé une mise à jour en secret. Attendez. Regardez, vous allez voir. J'avais gardé une mise à jour. Ok. Le micro bug? Non, le micro bug pas. Ne mentez pas sur ça, s'il vous plaît, par contre.
Hop. Regardez. Oh là là. J'ai mis à jour. Pourquoi les gens se barrent? Parce que les gens sont impatients. Quelque chose a bugé quand t'es levé. Et voilà, c'est bon. Attends, c'est bon là, non? Merde. Je crois que c'est toujours pas bon. Non! Attends. Non, putain. Ah, quel enfer du cul. Je dois redémarrer mon ordi, je crois. Oh non, putain, je perds tous mes viewers, je veux pas. Ah non, ça c'est bugué de ouf, hein. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Oh, c'est horrible quand ça... Ah, ça me frustre quand ça fait ça. Attends, on va enlever l'émulation du son. Ok, attends. Je sais pas faire. Blasé, s'il te plaît, viens m'aider. Ok, type d'entrée, microphone, périphérique audio. Comment je désactive l'émulation du son? Attends, j'ai trouvé un truc là qui a changé là. Attends! C'est bon, j'ai trouvé ce qui n'allait pas! Ne partez plus! J'ai trouvé ce qui n'allait pas, c'est bon! En fait, en me levant, je sais ce que j'ai fait! J'ai appuyé sur un raccourci. C'est bon, la situation est sous contrôle. J'ai dû appuyer sur un raccourci qui change la vitesse d'émulation. Donc j'avais la vitesse d'émulation à 95. Mais c'est bon, on est de retour, let's go. Revenez. Ne partez pas. On a trouvé ce qui se passait. Bon, du coup, on a quand même perdu un Pokémon. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Oh putain. Comment j'ai trouvé ça super vite. Oh le génie. Par contre, on en parle que on a perdu notre Trululu directement. C'est pas grave, Trululu. Tu resteras dans notre cœur comme un moment incroyablement décevant de mes let's play. Bon, il est temps d'utiliser Loser. Attendez, mais on est d'accord, là c'est la route 123, on n'a pas eu de Pokémon de zone encore. Vous êtes d'accord, hein? T'as perdu 300 viewers, c'est pas grave. On est d'accord, c'est pas un Pokémon de zone, ça. Attendez, est-ce que mon Pokémon de zone, c'est Coxie? Mais non, mais pas lui! C'est littéralement dans le top 5 des pires Pokémon du jeu, Coxyclac! C'est pas une zone? Mais c'était une zone, non? Merci beaucoup pour vos dons, désolé du panic mode. Ah non, c'est pas la route 123. Ah bah non alors. Lol. Ah c'est bon, mon Pokémon de zone, c'est pas Coxie. On l'abandonnera plus tard. Allez, du coup il faut qu'on aille route 123. Ah mais je peux pas avoir de zone route 123 en fait. Ouais, c'est pas une zone. Allez. On peut pas y aller, route 123. Merci beaucoup. Allez, mon tonton. Si mon tonton, mon tonton... Ah, alors ça, c'est une zone où je m'appelle pas... Ok, vous êtes prêts. Pokémon de zone, attention, on reconnaît le cri. Ça va les insectes de merde là? Non mais bon. C'est le retour de Titouan! Non mais par contre. J'ai pas envie de te faire mal, mon grand. Attends, il fait sombre là, c'est la nuit là. Oh mais ta mère la. Bon, qu'est-ce qu'on a qui le tue pas? On a rien qui le tue pas. J'ai aucun move pour l'affaiblir. Ah si, on a cousin Marco. Merci beaucoup, effectivement. Non mais
Il a aucune attaque dans... Il a aucune attaque. Allez, cousin Marco, point boost pour pas tuer. Mais sa seule attaque, c'est ouragan quand même, hein. On notera. Mais putain! Mais il a fauchage et ouragan! Eh ben putain! Bon, comment on l'appelle? J'ai une idée. Papillusion, palipusion. Non, mais c'est nul comme jeu de mots. On va le rappeler Titouan, hein. C'est Titouan du 23, hein. C'est quoi comme département le 23 déjà? Non, tu sais quoi, c'est une meuf, on va l'appeler Titouane. C'était mon chien RPZ Poupou. Ah, on l'embrasse. Ouais, c'est parti, battons-nous. Si je traverse les hautes herbes. Ah non, merde. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ici? Et 3 mégas dans un let's play de Fifou, c'est comme être papa dans un Disney. Ouais, il faut qu'on switch. Hein. Bon, bah voilà, le deuxième Pokémon, c'était un Trioxyde Shiny. Voilà, je pense que voilà. On... Avec Géomancy. Nyctaras. On aurait pu avoir un Trioxyde Shiny avec Géomancy. Et à la place, on a eu quoi? On a eu un Papillusion avec Tourniquet. Merci beaucoup pour les dons, les gars. Je suis désolé, j'ai un peu de mal à remercier tout le monde, mais... Oh, Sukune sous la reine, ça va... Ça va pas faire zizir, mais ça va. J'ai de la avance au niveau... Ok, bon, ça va. Allez, rayon chargé. Loser. Shuriken sous la reine. Paf. Ah, par contre, dommage. Oh, Papillusion, quoi. Papillusion versus Trioxyde. Vous préférez quoi, en vrai? En vrai, si on vous propose un Papillusion à un Trioxyde, vous prenez qui? 100% réponse, juste vous me répondez. Pas de troll. Allez, loser. Le club copie a été fondé par des personnes aimant copier les autres. Ah, mais ça, je reconnais ça. C'est... Ah non, mais je vais pas donner des noms de youtubeurs parce que... Sinon, ça va mal passer, mais... Mais il y avait de l'idée, hein. Oh, il a fait aiguisage. Putain, mais en vrai, loser, je commence à le kiffer de ouf, hein. Ils ont des Pokémon de merde, par contre. Mais loser, il apprend psycho, il devient surpuissant, hein. C'est dommage qu'il soit niveau 65 et qu'il ait jamais appris une meilleure attaque que psycho. Mais bon. C'est les aléas du random, comme on dit. C'est le YouTube Game FR. Hein. Moi, je dis pas les termes parce qu'après, on va dire oh là là, Fudrong, gna gna, va y avoir Jean-Michel du 24 de la communauté de X youtubeurs qui va venir faire ouais, hey, Jean-Michel du 24, est-ce que t'as vu là, il y a ce youtubeur là, il t'a aggro et du coup, le youtubeur il va faire quoi? Il va faire ouais, ah ouais, ah ouais, bah je vais faire une vidéo, ouais, je vais faire une vidéo, ouais. Et après, du coup, moi, je vais être en mode... Oh, il a fait Lily pute, la pute! Oh là là, mais je ne rate pas les attaques! Putain, mais loser! Oh! Ouh, les Pokémon Rangers... Oh non, J'ai changé, excusez-moi. Les Pokémon Rangers sont des personnes tout à fait respectables. Et elles ont des hobbies très intéressants. Courage. En vrai, c'était un peu cherché, mais c'était très très drôle. Je vais être très honnête avec vous, je l'avais vu venir un peu.
Mais ça m'a fait tellement rire que... Merci beaucoup. Non mais en vrai, le escalade tanké, c'était incroyable. Merci beaucoup. Oh, Coquillesse absorb volt hydro pump sous la reine. Ouf. T'as raison, groupe. Ok, calme-toi quand même, mec. Frérot. Bonjour. Soigne mes Pokémon, s'il te plaît. Soigne mes Pokémon. Allez, à la sieste. Let's go. Bonjour. Ah, mais attends, mais c'est la meilleure ville du jeu. C'est la meilleure route de l'entièreté des jeux Pokémon, ça, je reconnais. C'est la route... Alors, par contre, j'ai pas les... c'est dommage, j'ai pas les... J'ai pas le bon vélo, j'ai pas le vélo accro. Bon, tant pis. Attends, on est d'accord, j'ai pas le bon vélo. Le vélo acrobat. On ira chercher après, au pire. Ah oui, j'ai pas le bon vélo. Bon, tant pis. En vrai, si on arrive à faire le sixième badge avant aujourd'hui, on est bien. Le duel cerveau et muscle, c'est parti. Ok, ça commence à... Oh. Oh, you have unleashed the fucking fury, mec. Hein? Oh, il a pété la cité sur son lagron. Hop là. Et le choc mental. Yes, let's go. Trululu monte au niveau. Trululu voulait apprendre vitesse extrême. Oh là là, Trululu qui est parmi nous, hein. Allez, au revoir. Oh, ah, ouf. Ok, parfait. Putain, elle est trop belle cette route, j'adore. Big fan. Eoli. Est-ce que vous avez compris la blague? Est-ce que vous voulez que je vous répète la blague? Parce que je pense que c'est important que je vous répète la blague. Qui a toutes les connaissances nécessaires pour survivre? Nous, les Pokémon Rangers. Les Pokémon rangés. Ah, est-ce que vous avez bien rangé vos... Putain, en vrai, Loser, il rigole pas trop, hein. Hein? Avec Shuriken, Shuriken sous la reine, là, hein? Paf. Paf. Pourquoi les... Pourquoi subitement, là, les... Ça fait trois dresseurs qui ont des Pokémon de merde. Vous voulez que je vous explique la blague? Non, c'est bon, je vous passe, je vous passe. Oh, PP Max. Je mets un like juste pour la blague. Si vous avez aimé cette blague, mettez un like. Et si vous n'avez pas aimé cette blague, c'est très important. Mettez un like pour que je sache que je dois pas la refaire. Très très important. Très très important. Ok, c'est Floette Eternal aura fait Eric. Ok, ça va. Vampi baiser. Bon, ça va, ça va. Ouh, ça fait... Putain, mais... Vas-y, vas-y, shuriken, mec, shuriken, shuriken, shuriken. 1, 2, ils sont où les légendaires? Bah, t'en as un, hein, la Floette Eternal, il a des stats de légendaire. Pour rappel. Ok, au revoir, réveil forcé. J'aimerais bien oublier coupe, mais bon, je peux toujours pas. Un jour, je pourrais oublier coupe, peut-être. Peut-être, hein. Allez, hop là, le shuriken, et hop là, le shuriken, et hop là, le shuriken. 5 fois. Merde. Eh ben voilà, on cherchait les attaques signatures de légendaire. Petite frappe-psy de Mewtwo fait par un Symbios, qui tape presque aussi fort. Heureusement qu'on avait une résistance, hein. Ah merde, c'est vrai, il y a la météo.
Attends, mais il y a pas aussi Flora ici? likes en une seconde, faut avoir les sprites. Alors, pour avoir les sprites, il me faut 300 likes en 16... Non, non, 300 likes en 19,6 secondes. Non, il est mort, il est mort, il est tellement mort. Non, loser, 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 loser. Putain. Oh, le dernier L, s'il vous plaît, dans le chat. Loser, la destruction. Il n'y avait rien à faire. La destruction de ma stouf! La destruction de ma stouf! Loser! Loser! Non! Et celui-là, il était pas karma en plus! Oh, Bigel dans le chat! Putain de merde! Pourquoi t'as pas switch? Mais... je peux pas anticiper toutes les destructions et explosions des Pokémon adverses, sinon je mets toujours le même. Oh là là. Non, le premier live sans mort. Oui, pas vraiment, non. Ah, putain. C'est impossible de savoir en full random, vous savez. Hein. Vous savez, ma maman m'a dit, dans la vie, c'est comme dans une boîte de préservatifs. Parfois il est périmé, mais t'as pas le choix. Et après, te voilà. Elle m'a pas du tout dit ça. C'était terrible. Mais c'était une bonne... c'était une bonne punchline. J'espère que mes parents regarderont jamais. Oh putain. Oh, un Munja. Bah attends, Munja ça a jamais... ça, c'est mort. Allez, chef. Le pire Pokémon en full random, lui. Au revoir. Je... au moment où je crée cette punchline, je... j'étais en mode, est-ce que je vais au... est-ce que je dois aller au bout? Petit passier. Bienvenue au centre météo. Mes collègues du premier étage sont un peu brillants aujourd'hui, mais c'est pas ça qui va me déconcentrer. Okay. Tiens ma brave pour ta reconversion dans le Céum. Bon, attendez, il faut qu'on stocke les morts, les mecs. Petit passier. Phil Drong, il y a 30 minutes, ma team est indestructible. Bon, c'est bon, vous arrêtez de me taunt là. Oh là là, deux morts. Là, je peux me reposer aussi. Oh mon dieu. Ah oui, relâchez Coxy, excusez-moi. Ah. Ok, j'ai un message de mec blasé à transmettre. Il a dit dans le chat, le Mastouf avait Coloforce, donc j'ai pris une destruction Coloforce. Donc ça, si j'avais switché genre sur le maire, je serais mort. Voilà, à peu près. Hein, Comment tu as deviné? Maman, s'il te plaît, non! En vrai, on va avoir plein de Pokémon de on va avoir plein de Pokémon boss là, hein, c'est chaud, hein. Ouais, Mastouf, explosion Coloforce, bon. C'était difficile, c'était très difficile. Je pense en vrai que mon type assez pou. Petit passier. Ok mec, t'avais un tournegrin comme Pokémon, mais toi bien. Le Mastouf avait destruction, c'était spécial. Non, non, destruction c'est physique. Ça fait quoi Coloforce? Ça double l'attaque d'un Pokémon qui a déjà une grosse attaque et il a le stab sur destruction. Donc en gros, j'ai pris une attaque. Je vais vous dire la basse puissance de l'attaque, j'ai pris une attaque à 600 de puissance. Ce qui fait plus de dégâts que coup victoire stabé super efficace. Ce qui veut dire que même mon Pokémon qui résistait, il aurait pris un séisme super efficace tabé. Pour vous dire à peu près la puissance du truc. Donc honnêtement, personne ne pouvait tanker ça.
absolument personne ne pouvait tanker ça. Oh, Mélancolux mère primaire, c'est gentil. Moi qui avais un peu peur que tu me fasses une attaque feu, mec. C'est quoi la différence entre destruction et explosion? Oula. La différence entre explosion et destruction, c'est que explosion fait plus mal. Destruction, c'est 200, explosion, c'est 250. Mais, t'inquiète, ça fait quand même très mal. Hein. Attends, mais il est long du cul, poil. Poil. Poil, t'es lent, là. Pourquoi il se fait dépasser, là? Ok. Oh non! Quelle horreur! Est-ce donc le monde d'où Arthur rêvait? Mes précieuses recherches, rendez-les-moi! Oh, la ferme! Iiii! Non, arrêtez! Très bien, je te les rends. Les cataclysmes qui s'abattront sur la planète suite au réveil du Pokémon ancestral risquent de menacer non seulement les êtres humains, mais aussi les Pokémon. Ah oui, mais attends, dans cette version, elle réalise que c'est mal, en fait. Bon. C'était pas... C'était un faux loser. Je suis un peu triste, en vrai, pour loser. Hop là. Franchement, il est fort, mon poké, là. Ok, Team Aqua sbire. Ok, et tout Raptor, on fait pas le fou. Je pense que j'ai pas mal fait le fou, là, récemment. On va pas faire le fou. On a Michel Trou et Claglass. Cousin Marco, pardon, et Claglass. J'essaie d'utiliser Michel Trou seulement dans les moments difficiles. Ah, c'est pas le truc à 100%. Si, c'est ça. Oh là là, mais Cousin Marco, il est impossible à confus, vous avez vu? C'est trop bien, ouais. Cousin Marco, niveau 67. En vrai, venez, on utilise Cousin Marco. On l'a pas trop utilisé encore. On va utiliser Cousin Marco. Ok, je vais juste me soigner. Il a dit qu'il commençait à apprécier. Ouais, mais en vrai, je pensais vraiment que ça allait être cool à utiliser, mais bon. Ok, allez. On va enchaîner pas mal de boss, là, les mecs. On se concentre. On a perdu 2 Pokémon, mais il y en a un seul qui a vraiment joué. Il nous reste quand même 4 Pokémon. C'est parti. Mais c'est encore toi. Tu me lâches pas d'une semelle. Qu'est-ce que tu me veux? Je vais finir par croire que tu veux un autographe. Mais tu sais, en ce moment, je suis assez contrarié. J'arrive pas à remonter la pente. Redonne-moi le sourire, tu veux bien? Tes Pokémon et toi, donnez-moi du rêve, la force de votre volonté, de votre vigueur. Faites-moi goûter à la ferveur de votre... Mais attends, mais... elle veut mon cul ou quoi, là? Bah... Admin Team Aqua, Sarah! Non! Un combat triple! Ok, ça va, ça va. Non, c'est pas un combat triple, c'est un combat rotatif. J'ai eu peur, mais tout va bien. Michel Trou, monsieur le maire, est dans la place, en plus. Ok. Ok. Attends, mais les combats rotatifs, c'était en 6G, je me rappelais même pas. Air glaciaire, ça me semble être un très bon bail, en vrai. Monsieur le maire! Oh non! Oh, c'est bon, il va jamais faire une attaque électrique. Oh, il m'a ride! Oh, Michel Trou! Michel! Courage, Michel! On switch! Mais attends, mais c'est quoi cette anticipation? C'est quoi cette anticipation? Oh, mais quoi? Mais d'où? Mais! Il me ride en permanence! Poisseux de Scorvol. On reste. On spam tête de fer. C'est le meilleur bail. Ok, c'est bon. Critique. Tue le Voltali, on a besoin. Ok, on a tué le Voltali. C'était lui le plus dangereux. Ok, Lamantine. Lamefeuille. Et voilà, chef. Au revoir, Lamantine. Ok, très bien. Oh, il a peau dure. Putain, ils ont beaucoup de peau. Attention, le maire est affaibli. Il faut faire vraiment très gaffe.
Pour l'instant, la situation sous contrôle, on peut spammer lame feuille. Oh, let's go, poil. N'oubliez pas de mettre des sourires quand c'est poil qui agit. Surtout qu'on a plus loser maintenant. Let's go, poil. On compte sur toi. Ok. Protection. En vrai, c'est stylé, protection, hein. Mais enfin... Ah, protection, ça peut trop sauver, en vrai. Tunnel, à part sur Exagit, ça va pas être très utile, quoi. Ah... Je pense qu'on a besoin des attaques, en vrai. Monsieur le maire qui passe au niveau 75. Tunnel, c'est pas une TM. Oui, oui. Ok, Dardarnion, attention. Dardarnion, intimidation. Poil. Tête de fer. Ok, maintenant la tête de fer est gratos. Oh. Je rappelle que Dardarnion a le bulk d'une chips enflammée. Et souffle delta également. Et orage adamantin, a priori. Bon, ça va, ça va, ça va, ça va. C'est bon, il s'est pas boosté. Ok, on one shot, on one shot. Ok, score vol. On veut mettre poil maintenant et faire lame feuille à nouveau. Let's go. Non, courage, poil. Grosse défense, grosse défense, grosse défense. Poil contre la co-ascension. Oui, poil qui tank. Et du coup, on va le tuer parce qu'il s'est baissé sa défense. Oh. Oh. Oh, le Draco Ascension. Poil qui tank la Draco Ascension. Ça vaut bien un smiley face. Ok. Faut qu'on switch. Cousin Marco, à toi de jouer. Ouh, la tricherie, ça va faire très très mal. Merde, comment on fait? Je crois qu'il faut qu'on se soigne, les mecs, j'ai pas le choix. Là j'ai essayé, mais là il va me falloir du soin. Il va me falloir du soin. Parce qu'il tricherie, me tue en fait. Faudrait qu'il me... Ah putain, je suis pas sûr de tuer avec éclat glace, c'est trop faible. Oh mais il fait trop mal, putain, il me fait trop mal. Ok, ça va, ok, il me permet de le tuer. Ok, point boost, comme ça du coup je résiste. Je devrais être plus rapide que lui. Non, Rion, j'aime. Cousin Marco qui tank. Point boost. Cousin Marco protéin. Let's go. Non. Ah non. Non. Mais d'où? Cousin Marco. Mais quoi? Mais le boom final de capture. Le boom final. Non. Ok, attendez. Il y a un instant de l'or à mettre pour ce moment. Ok, attendez. Les mecs, j'ai dit que mon stream était de mieux en mieux, on est d'accord, hein. Vous allez voir. Vous n'allez pas en revenir. Ok, c'est parti, les mecs, je vous annonce un chef-d'œuvre. Sous vos yeux ébahis. Ah. Moi, je me mets en tout petit, là. Mais non, mais moi, débilos. Ok. Attendez. Moi, je me mets en tout petit. Là, on met Paul Agruf et Kim Morse. Et maintenant, on va mettre la musique triste. Sad musique. Ok, les mecs, c'est parti. Ah ouais, attends. Ok, c'est parti.
Vous êtes prêts? Ça va être incroyable. On va vider. Cousin Arnaud, Marco, Michel, je souffre. Cousin, arrête. Je peux encore te sauver. Non, c'est... Ah, c'est fini pour moi. Non, après la mort de Bob McGowan, tu étais mon nouveau bras droit. Je comptais sur toi. Marco, en plus tu es de la famille. Ah, je crois que... Sacré Michel. Dédicace à Esther MLB. Je crois que je finirai jamais de réparer ce toit. Marco, t'as raison, le toit de la mairie. Tu peux pas partir. Tu dois finir de réparer le toit. À chaque fois qu'il pleut, et Dieu sait qu'à Saint-Cyr d'Assurance, il pleut souvent. Tu vas pas laisser ton cousin comme ça. Je suis désolé, mais je crois que... Je crois que je ne pourrai pas y arriver. Je crois que c'est... Je vois... Ah. Je ne vois rien au bout du chemin. Est-ce que c'est ça, donc, l'avenir? Non, Marco! Reste avec moi! Je t'en supplie! J'ai besoin de toi pour soutenir le reste de l'équipe! Non, c'est... Incroyable. Ah ouais, franchement, les lives de Phil Drunk, ça s'est amélioré de ouf. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Waouh, je me sens un peu mieux, merci. Laisse-moi te révéler quelque chose. Lorsque les plans de la Team Aqua, ou devrais-je dire Arthur, seront mis à exécution, la planète entière retournera dans son état d'origine avant même l'apparition de la vie. Et toi, que comptes-tu faire pour mettre un terme à cette tragédie? Je n'ai personnellement pas encore pris ma décision. Bah, je sais pas, tu veux... Ok. Je pense que nos chemins seront amenés à se croiser à nouveau. Je pense qu'Arthur est en route vers le Mont Mémorial. Oh, j'ai pleuré pour de vrai, putain, c'était triste. Dans ce cas, je vais m'y rendre également. Ah, putain. Qui va réparer le toit? Cousin Marco, hein. À chaque fois que je mets du lore, le Pokémon, il meurt. C'est genre... Nous sommes... Michel Trou voit tous ses potes mourir. Je me suis pris une belle chip et je m'en remettrai. Entre destruction et boom final, beaucoup d'attaques terroristes à Saint-Cyr. Exactement, ouais. S'il s'intéresse tant que ça aux anomalies climatiques d'il y a plusieurs milliers d'années, il y avait plus simple. Merci beaucoup pour vos dons. Je manque à tous mes devoirs. Pour te remercier, j'aimerais te confier un nouveau compagnon. Est-ce que c'est reçu au centre météo? Je sais pas, je crois pas. Hein. On va l'appeler... Ouais, c'est Sarfrousse. On va l'appeler... Je sais pas. Petit passier. Même si Marco était fort, il était abruti et a mangé un cactus de travers. Non mais le boom final, c'était... J'étais tellement persuadé que ça passait. Le pire, c'est que j'ai failli faire éclat-glace et que... Éclat-glace... Bah... Ça aurait pas propre boom final. Mais en fait, j'étais en mode... comme ça, si je suis type combat, il peut plus me faire mal avec ta tricherie. J'étais en mode, je vais pas le tuer. Oh là là, mais c'est un Sarfrousse là. L'un des deux se nomme Kyo. En absorbant l'énergie de la nature, il parvint à modifier son apparence et sous sa nouvelle forme, il déclencha un véritable déluge qui fait monter le niveau des océans. Cette métamorphose s'appelle la primo-résurgence. Lorsque Kyogre effectue sa primo-résurgence, il devient primo-Kyogre. Nous pensions qu'il s'agissait d'une forme d'évolution similaire à méga-évolution. Il semble que seul Kyogre et son semblable en soient capables. Ceci dit, nous cherchons encore un vrai net le moyen d'effectuer cette primo-résurgence. Sur ces paroles, nous nous excusons, mais nous devons te laisser. Alors, on va voir la zone. Est-ce que je sais pas, c'est dans la zone? Oh, il a lunatique. Ah non, c'est Route 119. On a déjà eu un Pokémon Route 119. Hein. Dommage. Du coup, on l'abandonne, c'est ça, hein. Oh, il a la Galamite.
Il y a un remplaçant dans l'équipe. Il y a un remplaçant dans l'équipe. Je crois qu'on vient de me donner la galamite. Je crois que Mec Blasé vient de me donner la galamite. Adieu, cousin Marco. Tu nous manqueras. Bonjour, Galam, Méga. C'est scripté de rien. Merci beaucoup. Oui, bah je me doute bien que c'était scripté. Ouais, c'est scripté, ouais. Il a pas le droit de prendre l'objet. Le créateur du jeu me dit c'est fait pour, donc je vais le prendre. T'inquiète que je vais le mettre. Hein. Je savais pas que c'était un job si dangereux adjoint au maire en Aveyron. C'est difficile, hein. C'est difficile, hein. Attendez, on veut le tester, la méga galam, parce que pour l'instant, on a déjà eu 3 morts, hein. Putain, j'ai 18 morts au total, c'est ouf, hein. On va tester. Attention, chouchou. Oh, j'avais jamais vu le shiny, celui-là. Ok, méga galam. Gonflette pour voir, pour pas tuer. Ah, ce serait trop bien en vrai. On a méga galam dans la team. Et alors attends, qu'est-ce qu'il a comme talent? Oh s'il te plaît, parce que son talent de base c'est Corgel, il est vraiment nul et on peut pas le changer. Point de fer et j'ai vampi point. Ok, le vampi point de méga galam point de fer, j'avoue. Attends, mais il y a Flora là bientôt, là aussi, non? Je crois qu'il y a Flora bientôt. C'était... Je te cherchais, Fifou! C'est quoi ce truc à ton poignet? C'est la première fois que je te vois porter un bijou. Le méga bracelet, méga évolution, j'imagine que des renouements, tu sens encore plus proche de tes Pokémon. Quelle chance, je t'envie. Mais il en faut plus pour m'abattre, je vais te le montrer en combat de Pokémon. Ok, il faut pas qu'on se fasse péter la gueule parce que du coup... Michel, tu peux revenir s'il te plaît? Oh, qu'est-ce qui se passe encore? Et à lui, il est méchant! Bon, écoutez, je viens de perdre mon ami là. S'il est plus rapide que moi, en vrai, on le tue avec Air Glacier toute l'année. Hein. Donc ça change rien parce que je suis pas plus. Bon, je crois que le maire veut se battre, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que là, le maire, il est prêt à sweep une team, là. Le maire est prêt, là. Le maire, là, il en a ras le cul. C'est fini, maintenant, hein. C'est fini, maintenant. Ça va pas se passer comme ça, hein. Oh, le surf stabé sous la reine. Je sais pas si tu tankes, hein. Ok, tu tankes, j'ai rien dit. Oh non, s'il te plaît. Le maire. Pff. Ah ouais, faut vraiment pas casser les couilles au maire. Hein. Je vous jure, faut vraiment pas casser les couilles au maire. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Oh non, encore Mastouf. Oh, ok, je mets directement Léopold des Lois. Oh non, 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 pas destruction, s'il te plaît. Ok, il a méga fouet. Faire vampirisme. Ok, ça va, il a séisme. Léopold des Lois. Vous savez quoi? On n'a plus beaucoup de Pokémon. Je vais soigner. Je vais soigner Michel. On soigne Michel au cas où. Ouais, bon, il se soigne aussi. Allez, hop là. Aucune honte, du coup. Si elle se soigne aussi. Léopold des Lois, nouveau premier adjoint. Non, non, non. Il fait pas partie du lore. C'est un lore à côté, tu vois, sans cerne d'insurance. N'oublie pas que le méga en 6 grammes garde la vitesse le premier tour. C'est vrai, t'as raison, c'est vrai. Tu fais bien de me le rappeler. Après, en vrai, je crois que je m'en rappellerai. Parce que j'ai tellement joué en 6G par rapport à la 7G que
par défaut, pour moi, les méga, ça me semble plus logique qu'elles... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Qu'elles gardent pas leur... leur truc. Poil monte au niveau 69. Ok, Marest. Je suis vraiment désolé pour toi, le monstre, mais là... Pas de tolérance. Pas de tolérance pour toi, mon gars. Même pas mal. Lamefeuille. Paf. Michel Trou qui monte au niveau 76, qui veut apprendre. Ah, mégaphone, c'est bien en vrai. C'est un bon coverage neutre. C'est mieux que la... En vrai, sol plus glace, tu peux pas skip. C'est impossible de skip. Non, c'est impossible. C'est impossible de dire non à sol plus glace. Allez, Libégon, je pense qu'on... On a la lamefeuille qui devrait tuer. Non. Ça va. Ils font des spatio rift. Ah, coup critique, mais ça passe. Je invoque le maire. Monsieur le maire, vous allez laisser ça se passer? Ah, ça, c'est l'insurance. Vous savez ce qu'on fait aux voyous? Hein? Aux voyous qui tuent mes amis? Ça ne se passera pas comme ça. Tant que je serai maire de cette ville, vous ne serez pas autorisé sur le territoire de ma commune. Ça va être le méga, je suis sûr. Évidemment. Tu sors le maire à 22h30, justement. C'est bien parce que il est 22h30 que je sors le maire. À ton avis, pourquoi je sors le maire? Et voilà! J'ai sorti le maire parce qu'il était 22h30, justement. Parce que là, on fait moins le malin maintenant. Hein. Après avoir eu autant de morts, on fait moins le malin. Parce que là, on avait combien de morts? Beaucoup, hein. 3 morts. Ah, vol. Merci, monsieur le maire. En vrai, je viens de remarquer... Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont remarqué ça dans le chat, mais... Effectivement, l'émo de grand-père, elle ressemble de ouf à K-Morse, non? Vous avez vu ou pas? Ils ont la même tête, en fait. L'émo de grand-père et la tête de K-Morse, c'est pareil. C'est genre... le chauve à Jean Castex, quoi. Route 119, semi-tonnelle. Okay, j'aimerais bien entraîner un peu Galam quand même, qui est très bas niveau. Me cacher dans l'ombre et dans l'obscurité, tel est mon destin. Monsieur le maire? Oui, j'arrive. Bon, écoutez, pour les dresseurs normaux quand même, vous pourriez essayer de vous débrouiller, hein. Eh oui, mais j'y peux rien, monsieur le maire, regardez ce qu'il a là. Allez, ça suffit maintenant, hein. Le compte son camp. Bon bah tant que vous êtes là, monsieur le maire, s'il vous plaît. Pas de soucis, pas de soucis. Bon, est-ce que je vais réussir à avoir un match avantageux pour l'autre? Le plus grand compte son camp de l'histoire. Oh! J'ai pas dit que j'étais pas chauve, j'ai dit que lui l'était, c'est pas pareil. Sauvegarde des sprites. Les sprites, franchement, on a dit, si vous arrivez à faire 500 likes en 30 secondes, je les mets. Il faut chronométrer. Oh oui, c'est bon. On est à la ville. Bon, il nous reste 4 survivants. Juste, attendez, qui vous voulez qu'on rajoute dans l'équipe maintenant? Après, il va y avoir d'autres Pokémon, mais... Oh, le nombre de morts, regardez ça. Oh, quelle terreur.
Oh là là, oh là 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 là, regardez tous ces morts. Oh oh oh. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans la team? Aéromite, ça peut être pas mal en vrai. Hein. Elisabeth II. Je pense qu'on mettra Aéromite. On essaiera Aéromite. On l'a fait. Bon, bah, je les mettrai après. Je les mettrai pour la semaine prochaine. Ça interrompt le flow de mon live, les mecs. Je m'appelle Philon. Ok, ok, ok. Bah, c'est bon, je les mettrai, je les mettrai. J'avais pas fait gaffe. Oh, j'ai plein d'argent. On a de moins en moins d'argent. Aérobite. Aérobite est pas mal, hein. Est-ce que c'est là qu'on va pouvoir enfin oublier nos attaques ou pas? Si, c'est là, hein, on est à Symétronel. Allez, monte, 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 mon gars. Monte, mon gars. Ah oui, mais attends, on peut pas aller à l'arène, je crois. Il y a un bail comme ça. Faut aller à la zone d'abord. J'aimerais bien faire l'arène avant la fin du live, mais je sais pas si je vais avoir le temps. Un escalier, merci. Super, merci mec. Oh, oh, oh. Oh, cette rando là. C'est cool de te revoir, je savais que tu viendrais. C'est la guilde des balles secrètes, là là là, on s'en fout, 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 on s'en fout. Tu ne sers à rien comme un petit malin. Mais on s'en bat les couilles de ta life. Merci. Trop hâte de m'acheter des poupées. Ah, moi je suis un montagnard. Ok. Ah, c'est un Unicric. Merde, putain, je croyais que c'était Symétronel. Oh non, il y a Richard. Ce Pokémon semble être sur la route 120. Oh oh. Oh, c'est Sus. Y'a pas puissance cachée ici? Ok, il a dit va là-bas son Pokémon oiseau. Allez, vite, 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 vite. Ok, Pokémon de zone. Ok, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelque chose là. Oh Ah putain, je croyais que c'était Lucario. Pourquoi dans ma. C'est pas grave, Absol en vrai c'est pas mal. Allez, Quick Ball. Non, Absol en vrai c'est pas si mal. C'est très fragile donc c'est très difficile à utiliser. Mais on peut pas trop. C'est quand même très fort. On va l'appeler. On va l'appeler. On va l'appeler Chips enflammé en vrai. Hein. Chips en feu c'est pas mal. Hein. Chips en feu c'est pas mal. Parce que c'est vraiment une chips hein, ce Pokémon. Hein. C'est une méga chips. Hein. C'est fort mais c'est une chips. C'est quoi son talent? Oh, dis-moi qu'il a genre fluffy. Il a brasillé. Oh, en vrai, par contre... Oh, par contre, il a sabotage. Stabé. Et mâchouille stabé et point de feu. Alors, par contre, il a de très bonnes attaques. Hein. Par contre, il a une nature de merde. Il a une nature qui baisse l'attaque. Hein. Ça, c'est vraiment de la merde. Ah, il est ténèbre fait. Oh, d'où une horde. Ouais, il est fait ténèbre. C'est ça. En fait, ces Pokémon-là, ils ont changé les... Mec Blasé, ami, vous vous rappelez mes vidéos, là? Bon, attends, pourquoi il n'y a rien ici? Pilule talent. Ah ouais, j'ai une pilule talent, c'est vrai. Momi. Wow. Bah, Momi, c'est un peu moins pire que... C'est vraiment de la merde. Mais bon. On va dire que ça ira. Oh! Les intervieweurs. Ok, attends, je veux me battre avec Galam et... Michel Trou. Pour que Michel Trou s'habitue à la présence de Chouchou.
mais ils ont toujours la même team. Ah bah parfait, ça me va. Oh, le vampi point stabé là. Oh, ça va faire mal. Ok, chou 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 chou. Paf. Calme-toi, mec. Oh, Michel Trou qui montre l'exemple. Je suis fier de toi, mon fils. Montre-moi ce que tu peux faire contre ce noisier maintenant. Oui, bien sûr, papa. Mon fils, j'ai confiance en toi. Regarde comment je gère cet Alakazam. Oh, papa, c'est incroyable. Mon fils, c'est toi? Papa, je ne voulais pas te le dire tout... Chouchou, tu es mon... Papa! Je ne voulais pas te le dire, mais... Mon fils... est vivant? Papa! Oh non, le lore s'étend! J'ai même pas fait attention! Chouchou serait le... Mais oui! Michel Trou et Chouchou? Michel Chouchou? Joli, on va garder. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais même pas ce qui s'est passé. C'est sorti tout seul. Il va falloir qu'on étudie ça, les mecs. Il va falloir qu'on étudie ça. J'ai pas la suite du lore en fait. Je peux même pas vous dire la suite du lore. Je n'ai rien en tête en fait. C'est venu tout seul. C'est le lore qui s'écrit sans moi, en fait. J'ai l'impression d'être complètement hors du truc. C'est trop bizarre. C'est sus. Comment on se retrouve? Tu tires parti du méga bracelet. Toi, tes Pokémon, je n'ai aucun souci à me faire. Oui, d'accord. Il y a une présence invisible. Es-tu prêt pour le combat? Oui, je suis prêt. Wouah, le dévonscope. Hé, je te vois. Alors lui, si c'est ce Pokémon, je me... Ok, le faune. Oh, l'XP. Merci beaucoup, l'euphorie d'exister. Hop là, merci pour l'XP. C'est gratuit. Putain, on va avoir beaucoup d'explorations à faire après sur Twitch, ça va être trop bien, ouais. Oh, la brase égalite. Merci. Pour mon starter. Oh, t'imagines la Kaymorcite. Je te laisse, à bientôt. Vas-y, on va. Il faut qu'on aille à l'arène maintenant. Logiquement, tu auras une Kaymorcite. Ah, je sais pas si ça marche comme ça, non. Le maire s'est fait une garde-voix au camping. Franchement, il faut que je réfléchisse au lore. Je vous jure, c'est très très bizarre ce qui m'est arrivé, mais je vous jure, et c'est la première fois que ça m'arrive, et c'est la première fois que je vous le dis d'ailleurs. C'est la première fois que, genre, je comprends pas, c'est sorti tout seul, j'ai dit papa, et après j'étais en mode, merde, c'est trop tard maintenant. J'étais en mode, c'est fini maintenant, je suis obligé en fait, je n'ai plus le choix. Ah, mais y'a que des Pokémon qui donnent de l'XP. Apprends avec la magie à Absol. Ah, Absol, il a 0 en attaque spéciale. Et puis on est même pas sûr encore de le mettre. Attends, en vrai, là y a un dresseur. On va faire le dresseur. Pourquoi j'espère pas Absol, je te le dis, si tu réussis à me battre. Ok, c'est parti. Oh là là, bam! On tue pas, hein. Ok. Chouchou niveau 63, ça va être un peu limite pour l'arène, mais bon. En vrai, j'ai presque envie de stocker Absol, mais... on en aura peut-être besoin, hein.
Il a quand même des résistances et tout. Oh, il y a une CT ici. Fais pas trop le Mariolo. Je fais pas le Mariolo là pour le coup là. Là j'ai conscience que c'est difficile justement la situation dans laquelle je suis. Donc il va falloir faire attention. La grotte zénith. Ouais ouais. Allez, on va se soigner. Pense à la grosse zénith pour la zone. Ouais ouais, on ira après. Pour l'instant là, on va stocker le Absol, comme ça si on perd tout, on n'est pas mort, on peut continuer l'aventure. Ce serait dommage que Absol meure avec le reste de la team. Je me méfie maintenant, hein, quand même. Je rappelle que les arènes sont quand même assez énervées. Hein. Donc, ouais. Enfin, les dresseurs de base, ça va, mais... Ouais, on a eu des mauvaises surprises. Là, je suis plus en en full confiance, là, j'avoue. Donc, je préfère, faire gaffe. On va pas faire le fou, hein. Je sais pas si j'aurai le temps en vrai de la faire. Bon après je peux la faire. Hein. Regarde l'élégance des Pokémon oiseaux en combat. Let's go. Ouais, non. Michel, je veux jouer safe, j'ai pas envie de perdre de Pokémon. Merde, il est plus rapide. Bah oui, complètement. Hein. C'est peut-être pour ça que sans faire exprès, j'ai... Oh là 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 là, Michel Trou, Air Glacier. Et le surf. Ouais, il appelle son père, en fait. La gotte zénith pitié. On ira après, on n'est pas pressé, c'est bon. C'est quoi, vous avez un train à prendre ou quoi? Peut-être que vous avez un train à prendre, ouais. Ah oui, elle est trop bien cette arène. Attends, c'est pas là où ça souffle? Ah non, mais ça c'est une autre arène de type feu, je crois. Début calme. Oh, parfait. Ok. Vas-y, gonflette. Let's go. Gonflette. Parfait, il m'a pas empoisonné. Allez, c'est parti. Mmh, oh. Merde, par contre, il tank. Il m'a puni. Ah, le bâtard. C'est dans le noir de blanc 2 que ça souffle. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Ouais, je confonds avec la 5G, c'est ça, oui, je suis bête. Ouais, ouais, j'avais complètement... Effectivement, maintenant que vous me le dites, je me rappelle. Là, c'est juste le puzzle. C'est ça, c'est juste le puzzle comme ça, là. Oh! Merci, Poképark. Queno. Notre championne ne devrait pas perdre du temps avec toi. Ah ouais, comme ça. Hein. C'est important qu'on fasse l'arène ce soir, parce que comme ça, si on perd toute notre équipe, on pourra recommencer la semaine prochaine. Parce que moi, toujours, ma peur, c'est que je perde au tout début d'un live et que bah ça annule le live, en fait. Parce que je vais être en mode, bah super, je peux faire que de... Oh putain, changement de vitesse. Oh, c'est trop fort ça pour un Pokémon aussi lent. Vas-y, pour l'instant, je vais le mettre à... Je peux toujours pas oublier coupe. J'aurais jamais dû lui apprendre coupe, c'est terrible. Hein. Oh, c'est Darumacho. Mais non, mais... Débilos. On a Aquajet. Ouais, ouais, je crois que ça nous était arrivé une fois de perdre instantanément et c'était terrible. Rogada, on va switcher sur Poil.
Un jour peut-être je pourrais oublier mon move. C'est genre c'est n'importe quoi en vrai. J'aurais jamais dû. Cette histoire de. Bon bref. Oh Flying Press. Ah non mais c'est de la merde. Ça aurait été sur un autre Pokémon, je l'aurais pas mis, mais. Je rappelle Flying Press hein. La seule attaque avec deux types dans le jeu, ils l'ont jamais refait parce que c'est de la merde. Attends, ils ont refait une attaque avec deux types? Non, ils ont jamais refait d'attaque avec deux types. Ah, merci pour les smileys à chaque fois que vous voyez notre ami. Allez. La dernière fois, le live a fait une demi-heure. Ouais, mais c'est déjà arrivé que le live fasse. Enfin, finisse instantanément, ouais. On va faire gonflette. C'est un Cisaiox, donc on va pas le one-shot, je pense. L'effaceur, il est à Nénucric. Comment j'y vais à Nénucric? Oh, la Dracocharge. Morpeko. Non, c'est pas pareil. C'est une attaque qui change de selon ton type, c'est pas pareil. Ouais, Flying Press, c'est type vol et type combat en même temps. La texte signature de Volcanion. Non, toujours pas, non. En fait, il n'y en a pas d'autres. On est faible à Moonblast, mais on a coup psycho. A plus 1, ça va one-shot. Quel ornithologue. Prends un HM Slave. Bah, je sais qu'il faudrait, mais bon. Ah oui, attends, comment on fait déjà? Mais, ah, oh, doucement. Tu vas faire comment pour le live avec Violet Écarlate? Je vais faire comme je peux. Let's go chouchou. Et la coupe psycho. Ectoplasma mort. Ok. Franchement, on peut le battre. Comme ton papa t'a appris. Voilà, le vampire point. Non, non, ton papa t'a pas appris, parce que tu es mort. Le lore se bouscule dans ma tête. Oh putain, mais... Calme-toi, gars. C'est le dernier... Ok, on a battu tous les dresseurs, donc on va vite fait aller se soigner. Et ensuite, on fait l'arène. C'est bien, là, ça passe niveau timing, pile poil, c'est cool. On va finir dans la beauté, les mecs. Et oui, du coup, pour Violet Écarlate, bah, on fera une pause de quelques semaines sur ça, hein, c'est tout. Voilà, je voulais que ça passe, mais c'est pas passé. Je vais pas me presser pour rien. Donc ce sera comme ça qu'on fera. On va sauvegarder devant au cas où il y a des plantages. Et on y va. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Tac. Tac, 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 tac. Tac. C'est moi ou c'est plus facile qu'à l'époque? Enfin déjà à l'époque c'était vraiment pas trop dur. Là j'ai l'impression que c'est vraiment encore plus facile. Ou alors c'était déjà facile comme ça, c'est moi qui suis débile. Ok. Allez les mecs. Honnêtement, j'ai presque envie de mettre du. Hein. J'ai besoin de l'encouragement. Ça fait longtemps, c'est la première fois, mais là, en vrai, je pense qu'on en a besoin. Je suis Alizée, la championne de la reine de Symétronel. Je parcours les cieux et vis en symbiose avec les Pokémon oiseaux. Nous remportons les combats les plus difficiles avec grâce et légèreté. Ok. Elle va pas avoir de Pokémon vol, mais bon. Ah, bravo. Ouvre grand les yeux et admire la danse de mes Pokémon. Let's go! Merci pour le don, let's go!
Allez les mecs, le du-du-du là, c'est parti. N'oubliez pas les émotes, monsieur le maire, si on en a besoin. Ok, Genesect versus Galam. Est-ce qu'on peut se setup sur Genesect? Je pense qu'on peut. 64. Oh putain, il est de mon niveau. Ok, gonflette. Allez, Galam, gonflette. Allez, on met une gonflette. Et on va pouvoir récupérer des PV avec le vampire point. Oh non. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, 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 on s'en va. Ok, c'était. Papa, s'il te plaît! Papa, maintenant que tu sais que je suis ton fils, viens m'aider! Tu touches pas à mon fils, par contre. Si tu touches à mon fils, ça va très très mal se passer. Moi, je pense que le monsieur le maire a juste envie de. A juste envie de briller. Oula, le point météore sabé là. Oh, monsieur le maire. Ah, il a le gros lecoq quoi. Allez hop, ok. Allez, shuriken, normalement ça le tue. Ah non, ça le tue pas, putain. Allez! Yes! Voilà, alors toi tu me laisses mon fils déjà, tu vas vite rentrer chez ta mère. Voilà. Tu me laisses pas mon fils, c'est fini. Ok, attends, il met un tar énorme sur moi. Mais j'ai l'âme pangéenne qui a une double super efficace. Putain, évidemment que je rate mon attaque. Ah, Michel Trou, quand même, essaye de regarder où tu vas. Bon, tu sais que... Non, mais en vrai, l'âme pangéenne, ça va one shot. Ah. Ok, mec. Ok, mec. Ouais. Michel, t'as oublié tes lunettes? Oh bah ouais, mes lunettes! Je les avais laissées à côté! Évidemment, j'avais oublié mes lunettes! Ah, oh, excuse-moi! Michel, c'est sérieux quand même là ce qui se passe ici! Ah, oh, je suis désolé hein! J'avais complètement oublié! J'avais complètement oublié mes lunettes, tu sais, l'âge! Quand on vieillit, hein, c'est. C'est dur hein! Ok Michel, mais s'il te plaît, la prochaine fois, fais gaffe quand même, parce que bon... Oh là, fumigraine. Oh, on peut... Oh, non, oui, ok, tank, Léopold des lois filtre. Oh, le filtre. Le filtre. Les Léopold des lois qui tank la canicule, ok. Doucement, doucement, doucement. Merde. Oh, sa mère la pute. Oh, c'est dur. Faut qu'on mette... Oh putain, c'est chaud. C'est chaud patato, là. Faut qu'on mette poil, je pense. Il devrait pouvoir mieux tanker la canicule. Je sais pas sûr. Mais... Ah non, il tanque. Oh, elle a burn. Ok, on a des guérisons, je crois. Oh, le boule de nœud, il est en train de me refaire un cul. Dis-moi que j'ai un guérison qui traîne. Parce que sinon, ça va être très compliqué. J'ai pas de guérison. Ah, j'ai pas de switching, putain! J'ai des potions max, j'en ai beaucoup. Le maire est soin, mais il a fumigraine, les mecs. Stabé, les dégâts, ça va être insane. Hein. Oh, il a vent violon aussi. Ça fait plus mal. Aïe, 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 aïe! Poil! Faudrait qu'il rate une attaque en fait. Et s'il fait des vents violents, il peut rater. Il m'a confus. J'ai pas de guérison. Putain, mais. Oh, 4 points de vie. S'il rate son vent violent, il y a moyen. Ok, il fait des. Non, c'est genre. Un crit et je suis mort. Il a trop de PP. Ah putain, rate une attaque boule de nœud. Mais putain, mais d'où? Oh, je crois que je suis mort. Non, poil. Ah putain.
les poils. Air glaciaire. Putain. Poil est mort. Michel Trou niveau 80 presque. Oh, Scarino, il va avoir une attaque combat. Putain, hey, je suis dans la... Je suis tellement dans la merde. Faut que je mette Scarino... Non, attends, attends, il faut que je me... Potion max. Attends, attends, attends. Économiste TPP. Non, mais c'est hip. Monsieur le maire, s'il te plaît. Oh non, ma team, ça sent très mauvais, les mecs. Ok, lame de rock, ça va. Ok, ça va, il me fait des lames de rock. Allez, surf, il faut que je tape, hein. Oh, il y a Vampipoint aussi. Oh, les dégâts sont trop... Les dégâts sont trop énervés. C'est pas grave, c'est pas grave. En vrai, il fait mal, mais il fait pas si mal. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, là, je peux tanker. Mais le problème, c'est qu'il fait des Vampipoints. Attends, je peux essayer le flinch avec Shuriken. Monsieur le maire, fais-lui peur! Fais-lui peur, fais-lui peur! Putain, mais si j'avais mis... Allez. Putain, touché deux fois... Flinch! Encore Shuriken. Soigne. Mais non, si je me spam soin, je vais mourir en fait. Le double flinch. Surf. Monsieur le maire! De sincère l'assurance! Ok, gros ray, je devrais pouvoir gérer gros ray. On se soigne, on se soigne. On soigne toute notre équipe pour le dernier au cas où. On soigne toute notre équipe pour le dernier au cas où. Ok, ça, il me fait des psychos. Tranquille, tranquille, tranquille. Le maire de Saint-Cerlin-Surance. À tous les coups, il a la loupe pour ne pas rater ses attaques. Ah, peut-être, ouais. Ok, il m'a baissé ma défense spéciale. On va mettre Léopold des Lois. Ah, mais putain, mais il m'a encore... Je suis obligé de switcher parce que si il a une attaque feu, maintenant je l'attends plus. Ça va, défense spéciale man? Ok, il a que l'âme d'air, c'est bon. C'est safe. Potion. Ok. Franchement, si on se tire de ce combat avec un seul mort, vu comment c'était la mort, on est content. Hein. Allez, s'il te plaît, me baisse pas ma DSP. Ok, c'est bon. Allez, changement de vitesse. Let's go. Le premier changement de vitesse de Léopold. Éloi. Et vampirisme. Oh, il est plus rapide que moi quand même. Léopold, Éloi, t'es lent, hein. Allez, chais. Au revoir. À demain. À tout à l'heure. Ok. Ouf. Monsieur le maire, revenez, s'il vous plaît. On a besoin de vous. Oh la déflague, elle va faire mal, ou je sais pas quoi. Oh putain, c'est méga Dragon Figritz. Oh non, sa mère. Calque. Il va calquer mon brise-moule. Pied brûleur, ça va, ça va. Oh putain, méga Dragon Figritz contre moi là. Oh les dégâts. Coup critique, évidemment. Les coups critiques qu'on embrasse. Ah les fameux. Les fameux Pokémon random, hein, qu'on embrasse. Oh, le Draco Météo! Michel! Ah, j'en ai vécu des pires, ne l'en fais pas, Fifou! Michel! Qu'est-ce que je peux faire sans toi? Oh, il a Stratopercute super efficace. Ça va, ça va, ça va. Je sais même pas transpirer. Je dois bien te l'avouer. J'ai déjà vécu bien pire. Michel! Ok, donc là, je fais Air Glaciaire pour que je sois plus rapide que lui après. Et surf. Les amis, le maire, le maire est encore là. Le maire est toujours présent. Le maire, on a fini un live de plus. Et monsieur Michel Trou, 72 ans, maire de Saint-Cernin-Surance, une ville de 530 habitants, est encore dans la team.
Bravo, monsieur le maire. Bravo, monsieur le maire. Toujours présent. Toujours debout. Monsieur le maire. Rip Poil. Oui, Poil est mort. Oh putain. Michel fucking Trou, quoi. Oh putain. Le maire est là. Oh. Il a même retrouvé son fils. Il faudra qu'on développe ça pour la prochaine fois. Hein. Les mecs. S'il vous plaît. Le smiley doit être retourné. Non, vous savez quoi ? Smiley souriant parce que même s'il est mort, même si Poil est mort, il aura amené beaucoup de joie dans nos cœurs. Et je pense que il faut qu'on sache sourire à la mort aussi. Et dire à la mort... Ça se placera plus comme ça. On te laissera pas refaire ça. Donc s'il vous plaît, je vous demande des smileys souriants. En l'honneur de Poil. Mais aussi en l'honneur du cousin Marco. Et en l'honneur de Loser. Encore 4 morts ce soir. Mais... Monsieur le maire est là. Et il a retrouvé son fils. Et Léopold Deslois qui devient le deuxième Pokémon à tanker plus qu'un live. Félicitations. Du coup, on va mettre dans la team, on va mettre Aeromite. Qui est un type qui va plutôt bien en vrai, je trouve. Et en vrai... c'est un peu compliqué en vrai après. Je pense qu'on a d'autres zones à faire. Si vous voulez voir ce qu'on va mettre dans l'équipe, parce qu'on va explorer un peu... Là, on va faire pas mal de trucs. Il y a pas mal de zones à explorer. Il y a le bateau, notamment, à explorer dans le sud. Donc, on va explorer tout ça. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Mes modérateurs vont vous mettre le lien Twitch, le lien de mon Twitch dans le chat. Merci à tous d'être aussi nombreux pour regarder le Let's Play. C'est incroyable. J'espère que ça vous plaît. Moi, en tout cas, je le dis, c'est un Let's Play qui me fait un kiff. Qui me fait un kiff énorme. Et bah voilà, j'espère... Et du coup, bah voilà, je vous attends nombreux sur Twitch. Et sinon, cette semaine, un programme un peu spécial, étant donné que il y aura un live jeudi soir, et la nouvelle strat sera jeudi soir. Pourquoi ? Parce que je ne serai pas là... Je ne serai pas là ce week-end et j'ai envie de faire un dernier live nouvelle strat. Donc vous pourrez préparer vos matchs pour jeudi soir, ce sera à 21h ce jeudi, si vous voulez venir voir. Je vous embrasse très très fort les mecs, je vous aime hyper fort. Et puis, voilà, Michel Trou est encore vivant. Et on attend la prochaine. Je vous dis tchuss. A tout de suite sur Twitch pour les autres. Et à lundi prochain !